Salut à tous, ici Carbo. Bienvenue dans ce nouvel épisode, 7ème je crois, de The Walking Dead Telltale. Donc la dernière fois on avait dit au revoir à notre façon, à notre frère. Les choses ne sont pas très bien passées, même pour un au revoir, donc... Bref. Mais bon, là nous avons donc malgré tout pu récupérer les clés, et il est temps donc de filer ces pilules à notre cher ami Mr. Connard, pour qu'il se remette bien et qu'on lui suit bien sur la tronche que tout ce qu'il a, c'est grâce à nous. Voilà, le fait qu'il soit en vie, qu'il puisse encore passer du temps avec sa fille, c'est grâce à nous. Donc, va te dire foutre. Non, blague à part, j'espère qu'il va être un minimum reconnaissant après l'avoir soigné, parce que là, quand même, ce sera donné du mal hein, pour ce médoc. Allons-y. Voilà. Et on est avec sa fille, dont j'ai pas cherché à retenir le nom. Parce que bon, ça a quand même un peu sauté au visage elle aussi à notre arrivée. Allons-y. Oh no. Shit. We gotta hurry. L'alarme ? Oh putain, c'est pas bon. Oh putain. Larry, il a pas intérêt à gueuler que c'est de notre faute parce que là, quand même. C'est parce qu'il est malade qu'en premier lieu on a eu à faire ça. Putain, mais ça longtemps cette merde. Oh non. Non, 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 non. Oh, bordel de merde. Be time to go. I'm gonna get the truck pulled up right back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. That door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Putain, putain, merde. Vite. Allez! If you don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. Merci. Mais j'espère qu'on s'en sortira quand même. Doug, if we don't make it through this, you should know. Non, c'est un death flag. C'est un death flag, c'est un death flag. I should know pas de truc comme ça. That I should know. Shit. Oh, putain. Are you sure? Shit. Oh, shit. Ouf. Punch to the... Come in time. Can you look for something that's big in between the hands? Something real strong, okay? Mais calme-toi pas. That window is screwed. I found something. Super. Oh, ma chérie. Carly nous a sauvé deux fois, je peux pas la laisser tomber. Putain, et évidemment j'arrive pas le temps de sauver Doug. Pouf, c'était chaud. Putain. Oh my god. Let's go. Putain. I got Doug. Chase. You gotta move. Espèce d'enculé!
letting somebody else get eaten today. Allez. Especially allez. A good friend. Merci. Toi, t'es mort. Non, franchement. Vous vous souvenez dans la série The Walking Dead comment c'était passé quand un mec avait fait ce coup de pute pour le personnage principal? It's coming at me, bro. Yeah, I get it. Shit happens. Ouais, ça s'était passé comme ça. Ah, fumier. Putain, je me casse le cul à trouver des pilules de merde, c'est comme ça que tu dis merci. Pourriture. Putain, dès que Clémentine n'est plus à côté, crois-moi que je vais te le faire ma pensée, connard. Fils de pute. Oh, mais le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a vraiment des ordures comme ça, hein, qu'il y a vraiment des gens qui seraient comme ça. Mais là... Oui, notre cher ami. Il n'est pas en vue. Ouais, tant mieux. Voilà. Espèce de son connard. Je vais parler à Clémentine en premier parce que j'ai jamais pu arrêter, mais. Hey, Glenn. Fumier, quoi. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Quelque chose à dire? J'ai l'impression que pour l'instant elle tient plus de l'emmerdeuse qu'autre chose. Hein. Et son père est un énorme connard, donc bon, comme on dit généralement, le. Bah, de toute façon, je. Enfin, ayant vu la série, ça je sais qu'il doit partir, mais. J'ai pas envie non plus de dire va trouver tes amis à Atlanta. Je préfère dire. You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better. People are going to give up if the girl from upstairs. Are you just going to let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Pour être honnête, moi non plus. Hein. C'est juste ce qui me paraît être la meilleure option. Ah. Adieu, Glenn. Je pense pas qu'on se reverra. De toute façon, je t'aime même pas d'abord. Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. Ah ouais, tu m'as sauvé la vie. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier, I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. T'as réussi à me faire oublier l'enfoiré là pour le coup. Merci, ça c'est. J'ai besoin de penser à autre chose et c'est vrai que ça m'aide à peu péter un câble. Hein, parce que là. Non, franchement, blague à part, il y aurait pas eu Clémentine, je serais allé direct casser la gueule à l'autre parce que là, franchement. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. Mm. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Ouais. Mais c'est un death flag, ça, faut pas dire. I'm sorry, Carl. It's okay.
Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? J'ai deux dettes envers toi. Techniquement, j'en ai encore une. Je pense que si elle veut se séparer du groupe et que je vais pas sauver la vie une deuxième fois, rien que par honneur pour mon coup, je serais tenté d'aller avec elle, quoi. Bon, comment ça va être ? Toi ! T'as de la chance que j'ai pas la lâche en main. He wasn't. Oh, and then... Hey Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... Quoi, tu prétends pouvoir protéger Clémentine, espèce d'enfoiré? Autant t'occuper de ton cœur, sac à merde. Hey, Lee, do you have a second? Je te pisse à l'arrêt. My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Plein de survie, donc. Évidemment. Oh, fin d'épisode. Ah. Donc, les pourcentages. 63% des joueurs ont dit la vérité, ok. Qui sera-tu, Duck ou Sean? 49% des gens ont sujet Duck, punaise, c'est bien partiel, hein. Loyauté, se rallier à Kenny, vous, 48% des joueurs, ont défendu Kenny. Hein? C'est tout? Mais l'autre, c'est un énorme connard. C'est quoi? Vous aimez pas Duck? Bon, mignon, hein. Pistolet, Irène, 45% des gens ont des pistolets, d'accord. Bon, c'est pareil, presque moitié-moitié. Putain, c'est... Après, ah oui, c'est peut-être aussi parce que le jeu est sorti depuis longtemps, donc forcément, plus c'est sorti il y a longtemps, plus les gens jouent, du coup, plus les scores se rapprochent. Logique. Doug Carly, 66% de joueurs, putain, je dis ça et juste après, t'as le truc super tranché. La vache. Ah putain. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de ces choix où tu sauves l'un ou l'autre parce que là, franchement, ça pèse. Hein. Ça pèse. Bon. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de The Walking Dead Telltale.
Donc du coup, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de cette première saison. Voilà. Allez, ciao tout le monde.